Charlie Santius, les chaînes de ce monde sont lourdes et n'apportent qu'une fausse douceur. Des chagrins certains et un douteux plaisir, de durs labeurs et un repos toujours inquiet. Elles nous accablent de misère et ne donnent qu'un vain espoir de bonheur. Voilà les liens dans lesquels tu te laisses prendre, auxquels tu présentes ton cou, tes poignets et tes pieds, en te laissant subjuguer par les honneurs de ce monde, en pesant tes actions sur le seul profit que tu en retires. Peut-être me répondras-tu, comme l'esclave dans la comédie de Terence, « Ah, ça, tu radotes toujours des paroles de sagesse. » Accueille-les, cependant, pour qu'il soit dit que je les sais, mais non que je les répands en vain. Et si, pendant que je chante, tu danses sur un autre air, je n'en éprouverai pas de peine, car l'air en lui-même n'est pas sans charme, même s'il laisse immobile celui pour lequel on le chante avec tant d'amour. J'ai trouvé dans tes lettres quelques paroles qui m'ont touché, mais il m'a paru inutile de les prendre au sérieux, alors que ta manière de faire me remplit d'un aussi grave souci. Si tes vers n'étaient pas aussi bien tournés, si les règles de la métrique n'y étaient pas observées, s'ils choquaient l'oreille de l'auditeur, tu en aurais honte, et tu n'hésiterais pas à les corriger, à les rétablir dans leur mesure et leur cadence, selon les règles de l'art. Eh bien, lorsque ta vie se passe dans le désordre, quand tu n'es plus en harmonie avec les lois de ton Dieu, lorsque ta conduite ne correspond plus aux désirs de tes amis et à l'éducation que tu as reçue, penses-tu que ce soit là une chose à laisser de côté et à négliger? Crois-tu que le son de ta bouche est plus utile pour toi que tout le reste, et qu'offenser les oreilles du Seigneur par des mœurs désordonnées soit chose plus légère que d'exciter contre toi la colère des grammairiens par des syllabes mal arrangées? Écoute ce que dit l'Évangile. Jésus se tenait debout et criait « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Si ces paroles ne dépassent pas tes oreilles et ne pénètrent pas dans ton cœur, quel ordre, Licentius, peux-tu attendre d'Augustin, qui n'est comme toi qu'un serviteur? Ne doit-il pas plutôt gémir de voir sans résultat ce que te donne le Seigneur lui-même? Que dis-je des ordres? C'est une invitation, c'est une prière qu'il fait. Va en compagnie, apprends de Paulin, ce serviteur de Dieu, quelle grandeur et quelle faste il a rejeté loin de lui, sans la moindre hésitation pour se mettre sur le joug du Christ, avec d'autant plus de courage et de générosité que son humilité a été plus profonde. À quoi bon cette agitation, cette instabilité? Pourquoi prêter l'oreille aux murmures trompeurs des voluptés qui tuent l'âme? Pourquoi te détourner de nous? Si tu avais trouvé un calice d'or enfoui dans la terre, tu en ferais don à l'Église de Dieu? Or, tu as reçu de Dieu des talents qui sont en or spirituel, et tu les consacres aux passions, devenant une proie de Satan. Ne le fais pas, je t'en supplie. Puisses-tu comprendre combien je suis malheureux et combien je souffre en t'écrivant tout cela? Aie du moins compassion de moi si tu n'as plus à cœur tes propres intérêts.